Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ice Angel Coloriage. Aujourd'hui, je fais mon color and chat, je crois, numéro 6. On va aller voir ça, j'aurais dû checker avant, mais regarde, on parle de moi ici. J'espère que vous autres, ça va. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, ça va pas si mal, pas en tout. J'étais au médecin hier, mon rendez-vous, comme je vous avais dit. Mais ça... c'est standard pour moi. Une ou deux fois par année, un rendez-vous chez le médecin. Ça a quand même bien été. Oui, c'est numéro 6, je viens de voir. Ça a quand même bien été. Mais avant ça, je vais tout dire qu'est-ce que je colore puis avec quoi. Puis je vais compter ça. Fait que dans le fond, ça c'est Tales from the Forest Kingdom de Hannah Carlson. Je travaille pour mon colo de groupe. J'ai commencé par lui, les licornes. Je prends les Black Widow. Pour le mauve, je vais te tout dire ça. J'ai le plus foncé, c'est le Eggplant MN116 du Monarch. La moyenne, c'est le BW08 Amethyst de les Black Widow. Ça, c'est l'araignée. Et le pâle, c'est CB65 Purple Haze des Serpents, dans le fond des Cobras. Pour ce qui est du rose, le foncé, c'est DG136. On ne le voit pas bien, lui. Rosie, de la Sade de Dragon. Le moyen, c'est CB35 Bubblegum de Cobra. Et le plus pâle, c'est Hot Pink MN086 des Monarchs. Fait que je suis en train de faire ses cheveux. Vas-y. J'ai été à mon rendez-vous hier, puis je me trouve que je suis plus fatiguée que normal, fait que j'ai été le voir. J'avais fait une prise de sang de 2 semaines pour être sûr que j'avais un test récent vu que j'ai des problèmes de glande thyroïde. Mais fin de compte, elle me fait passer un test d'apnée de sommeil. Je sais pas ça va être quand, c'est quand même assez long ça a l'air. Puis elle était pas contente avec mon sucre, fait que j'ai rendez-vous avec mon infirmière de diabète. Mais ça fait quand même un bout que je ne l'ai pas faite, fait que ça fait pas de mal d'aller la voir, là, tu sais. Mais ça... On va commencer ça. Ça, c'est standard, là. Prendre trop de sucre, puis checker tout ça. J'ai eu une peur hier, par exemple, parce que je suis bien diabétique, je peux pas passer pas d'insuline, puis ça a été long avant qu'on trouve une insuline qui fonctionne très bien pour moi. Puis mon pharmacien m'a appelé, puis elle dit, le gouvernement, parce qu'ici, les assurances médicaments, si on n'a pas une en privé, le gouvernement nous donne de l'aide avec ça. Puis elle dit, le gouvernement ne paierait plus ton insuline, ton type. Ah, OK. À partir d'avril, fait que là, je suis comme, je suis posé de faire quoi, moi, là, tu sais? Donc là, elle dit, mais je vais essayer de rejoindre ton assurance, mais moi, en attendant, je suis en train de capoter, tu sais, paniquer bien raide. Je vais faire quoi, moi, si j'arrive pas à avoir de rendez-vous, puis je peux plus prendre cette insuline-là, puis on a misère à régler. Tu sais, toutes les questions quand on est en train de paniquer, tu sais. Puis ça, c'est à 8h20 hier soir, là. Fait qu'elle me dit, je vais essayer de rejoindre ton assurance, mais je te donne une nouvelle, soit demain, aujourd'hui on est mercredi 9 mars, ou jeudi. Donc, correct, raccroche le téléphone. En train de paniquer un petit peu en dedans, tu sais. Merci à mes deux amis qui m'ont écouté lamenter sur mon sort hier, ça m'a fait du bien. Je vous apprécie beaucoup. Ça m'aide des fois, puis je suis toujours là pour vous autres aussi, hein. Fait que, en tout cas, fin de compte, elle me rappelle juste avant que la pharmacie ferme, à 21h. Puis elle m'a appelé à 20h20. J'oublie tout le temps de prendre les 24h, fait que je suis désolé, là. Fait qu'elle m'appelle à 20h40. Pour me dire qu'elle a réussi à parler à quelqu'un, puis à date, il n'y a pas de fin de couvrage pour mon insuline, avec mon assurance, fait. Tant mieux, tu sais. Mais j'ai demandé, tu sais, quand même, si c'est en erreur, puis il arrête ça, et tu vas-tu remonter le jour au lendemain, pas d'insuline, tu sais. Parce que moi,
Je perds de santé, je suis désolé. J'ai essayé de pas faire trop souvent, mais tu sais, je compte des affaires quand même, tu sais. Fait que là, elle dit non, non, quitte ou pas, on va te donner une équivalence ou quelque chose si jamais ça arrive, tu ramasseras pas d'insuline. Fait que là, problème réglé. Fait qu'il me reste juste le test d'apnée de sommeil à passer. Ok. Ça risque d'être intéressant parce que depuis que je suis enfant, je respire par la bouche et pas par le nez. Puis, généralement, cette machine-là, c'est de quoi qu'ils te mettent dans le nez, là, pendant que tu dors, pour que si tu arrêtes de respirer, ça puisse souffler. Fait que. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas stressé avec ça. Mon conjoint, il y en a une machine de même, ça fait longtemps. Fait que. C'est pas mal standard, ces affaires-là. À Star Kismet, tout le monde, il a une apnée de sommeil, là. Fait que, tu sais, moi, si c'est ça. Ça peut être payé. Tu sais, je me trouve chanceux à 43 ans d'avoir juste qu'est-ce que j'ai. Puis oui, il y a du monde qui dit, ah, oh, t'as bien des maladies, hein? C'est horrible. Mais tu sais, il y a toujours quelqu'un qui est pire que toi. Je travaille sur ma santé, je travaille sur ma mobilité, je travaille sur tout, puis c'est ça qui est important. Et je travaille sur mon coloriage aussi, hein? On s'entend bien important à parler de coloriage. Faut pas oublier ça. Tantôt je m'installe, je vais commencer un nouveau livre. J'étais supposé de le faire hier soir, mais j'ai pas eu le temps. J'ai écouté un film avec mon mari en place. Ok, je vais commencer lui ici. La Belle et la Bête. Merci à Zazu d'avoir parlé de ces histoires-là. Mais ils sont dark, hein? Faut aimer ça, sinon. Faut aimer ce style-là, là, tu sais. Fait que je laisse ça, comme ça tu peux le lire si tu veux, mais. On va voir. Je vais lire ça. J'en ai quelques livres à lire que j'ai eu pour Noël, puis ma fête. Fait que c'est ça, j'ai décidé, je commence à ça. Hier soir, j'ai eu une belle jasette sur des films, puis des affaires avec quelqu'un. J'aurais jamais pensé de jaser avec, puis j'ai bien aimé ça, merci. Tu sais t'es qui. Si jamais ça te dérange pas que j'en parle, et qu'on ait eu une jasette avec, puis je te nomme, mais tu me diras, mais pour le moment, je sais pas, fait que j'aime mieux pas te dire t'es qui. Mais j'ai vraiment apprécié ça, puis c'était fun de jaser des films verbés et toutes sortes d'affaires avec toi. Ça, c'était mon veillée. Un autre oiseau de nuit comme moi, j'aurais pas pensé de trouver quelqu'un qui debout à minuit, une heure pour des jasettes, mais apparemment, je suis pas toute seule. Mes plans pour en fin de semaine, pas mal simples. Rester tranquille, peut-être aller au Dolorama. Checker s'il y a des nouveaux offres de coloriage. Peut-être acheter un autre calepin. Je veux refaire encore une fois mon nuancier. Mais là, j'ai trouvé la façon que je veux l'arranger. Fait que. Tu sais, moi, j'ai ces livicettes. Puis j'avais commencé à. Je peux te le montrer. J'avais commencé à mettre des nuanciers comme ça. Puis j'en ai des deux bouts. Fait que là, qu'est-ce que je voudrais faire? C'est toutes les refaits de A à Z. Puis en arrière, j'avais fait. C'est un charte de conversion. D'un YouTuber's Colorful Country Life, je pense, ça s'appelle. Puis, tu vois, t'as les conversions des prismes, des polychromos, des luminances, des Black Widow, des Castellars, des Artisans, des Brut Funner 120, des Brut Funner 180, puis des Crayola. Fait que tu pourrais essayer de trouver les équivalents de quel. Tu sais, mettons, tu suives un tutoriel et les luminances. Mais là, tu peux checker s'il y a une équivalence dans d'autres crayons que toi, si t'as pas les luminances. Ok. Je vais tout refaire parce que là, ma livre est. Ah bon, puis ça me fatigue. Fait que, on va voir ça. Si je le fais. Ah oui, j'ai refait le test avec les peintures Magic Fly. Je t'avais dit que je te donnerais des nouvelles. J'ai pas encore fait mon licorne, mais j'ai fait un petit test pour voir. Puis, même si t'en mets épais, ça devient pas opaque. C'est quand même transparent. Fait que c'est à vous de décider si c'est ça que t'aimerais. J'avoue, j'aurais aimé ça que ce soit opaque. Mais
ça va être quand même belle transparent comme ça, là. Fait que pour moi, ça me va. Mais c'est à vous de décider si c'est ça que tu veux, si jamais tu veux en acheter de ça ou non. Puis pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais j'avais fait une vidéo nuancier, puis ouverture de boîte avec ces peintures-là. Je crois au début de la semaine ou semaine passée, quelque chose comme ça. Ça fait pas longtemps. Là, j'ai 6 colos de fait à date. Non, j'ai pas encore été dans mon Claret Marcovo, mais ça sent bien. Madame commence à avoir hâte, là. Mais ça sent bien. J'avais dit qu'il fallait que je finisse tous mes duos, mon colo de groupe. Mes colos de groupe, parce que je veux en faire plusieurs, mais tu sais, ça, si j'ai fait pour one shot, c'est pas fin du monde non plus, je pense. Il me reste un autre duo dans mes Disney Art Deco avec Indra à faire. Puis là, c'est La Belle et la Bête. L'image de Belle, j'avais hâte de le faire. C'est super belle comme image. Fait que ça, c'est une de mes prochaines. Je sais que je prends toujours des crayons Black Widow, mais c'est mes préférés. Fait que j'y prends quasiment tout le temps, là. Si jamais tu aimerais me voir colorier avec d'autres choses, j'essaie une color and chat. J'ai pris des macos raffinés, mais j'ai aussi des cray art, puis j'ai les airbrush d'horreur, j'ai les castle art. Fait que tu peux me demander, puis me le demander, ou quelque chose de même, là. Puis je le fais. Ça me ferait plaisir de prendre un autre type de crayon. Je ne vais pas bimber ma commode bientôt. Tantôt, je vais appeler ma grand-mère, voir comment elle va. Ça va avoir 85, je pense. Puis là, elle commence à avoir mal aux hanches, puis elle est obligée de prendre une chaise roulante d'un petit peu. Fait que elle n'a jamais été comme ça. Elle était une personne toujours indépendante, fait qu'elle trouve ça dur. Mais on dirait que, depuis que j'ai perdu ma mère, on dirait que j'ai tellement peur de perdre quelqu'un que je me sens pas bien si je prends pas de leurs nouvelles à elle puis mon père à tous les jours. Mon père, il est pas quelqu'un très très en santé non plus. Il est tombé d'un toit puis il a cassé son dos puis là, il est pas paralysé, mais il a toujours des douleurs au dos. Vivre, rester dans une petite ville où qui ont pas tous les soins qu'on a dans une grosse ville puis il fait ça à tout croche quand t'as un accident, des fois. Ben, tout croche, je sais pas. Tu sais, je te dis ça de même, le gars, ça fait des années qu'il est plus capable de travailler, puis il est en douleur permanente. Mais ça, il est en vie. Il est là, il s'en occupe de sa mère. C'est ça qui est important, c'est qu'il est encore là. Donc là, je vais aller la voir, mes vacances sont mises en place pour début mai. Fait que début mai, je vais prendre ma tablette avec moi. Je vais essayer de vous filmer un petit peu de mon voyage. Je sais pas si ça va filmer bien en auto, mais je vais quand même essayer, mais qu'on tombe dans la Gaspésie. Tu sais, le Trans-Canadien, c'est juste des voies, là. On n'a pas grand-chose à voir, mais quand on tombe aurait les montagnes, puis le long de la côte, de la fleuve, Saint-Laurent, ça devient des belles paysages. Si j'arrive pas en auto, mais c'est sûr, mais que je vais être là-bas, je vais quand même filmer des places pour vous autres, là. Mon mari va m'amener à des places, on va arrêter, puis je vais filmer comme un touriste pour vous montrer ça. Je pense que j'aimerais ça, de voir tout ça. C'est des belles places. Tout le monde qui va là, il trouve ça belle, mais j'aime ça aller là-bas pour voir la famille. De belle air fraîche. Ça fait changement d'être en ville. C'est quelque chose qui m'a manqué énormément quand j'ai déménagé où est-ce que je reste là. Tu sais, je reste comme 45 minutes à l'extérieur de Montréal. Fait que d'aller en campagne, puis pour moi, où est-ce que je reste, c'est une grosse ville. Fait que d'aller en campagne, puis d'aller dans une grande ville après, ça fait un choc culture, un petit peu, là. Mais tu sais, je changerai rien. Parce que je vis ici avec mon mari.
lui, il vient de où ce que je reste. Fait que j'ai déménagé ici pour lui. Puis à cette heure que je suis là, même quand on va être vieux, on va être ici parce que mon fils, il est ici, il a fait son vie ici. Puis je voudrais pas être loin de lui. Mon petit pet. Je l'appelle mon petit pet, mais il est quand même 22, là. 23 cette année, j'en viens pas. Ça va terriblement vite. C'est comme. On va reculer. On avance l'heure, pas reculer. En fin de semaine, puis il me semble qu'on vient juste de la reculer d'une heure, là, tu sais. Somme le temps va vite. Mais on peut être content qu'on n'a pas beaucoup de neige cette année, au moins. Touche à bois. Parce que d'habitude, on en a plein, puis on n'a pas eu tant que ça. Sauf là, c'est tout en train de fondre, puis quand ça tombe froid, mais ça gèle, donc ça fait bien mal de la glace. Mais on peut pas tout avoir, hein. Ça vient par shot, fait qu'il faut aller avec qu'est-ce qu'il nous donne comme météo. Moi, j'ai hâte à printemps, quand il va faire plus beau, ça va être plus facile pour moi d'aller prendre les marches avec ma marchotte. Je sais pas bien, mais j'ai eu bien des blessures aux genoux, puis j'ai perdu mobilité. Fait que là, j'ai essayé de le regagner, mais tu sais, pour des marches, des affaires. J'ai besoin de marchette juste pour m'aider en cas que je suis plus capable, puis j'ai besoin de m'asseoir une minute ou deux avant de continuer. Oui, le monde me regarde, mais gars, je me dis, c'est pas eux autres qu'il faut qu'ils vivent comme ça, c'est moi. Puis ce qui est important, c'est que je laisse pas ma gêne m'empêcher d'essayer de fonctionner puis avoir un meilleur niveau de vie. Faut être positif. C'est pas évident des fois, quand on a mal, quand tu as l'impression que tout va pas bien, tu sais. Comme, tu sais, une de mes amies, son laveuse a lâché. Pas longtemps après ça, son réfrigérateur a lâché. En même temps que son fridge a lâché, son fourneau a lâché, tu sais. Mais, c'est choquant, oui. Mais elle a réussi à ranger ça. Fait que c'est de continuer. Puis à essayer de rester positive. C'est ça qu'elle a fait. Il n'y a pas beaucoup qui la découragent. Puis c'est fun, tu sais. Mais quand tu as des amis, on est toutes là, une pour l'autre. Puis ça aide, tu sais. Quand quelque chose va pas bien, puis tu as besoin de parler, les amis sont là pour toi. C'est ça, j'essaie d'être disponible pour mes amis 24 heures sur 24. S'il y a une urgence, ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Je les ai laissé mon numéro de téléphone. Quand il y a besoin, ils m'appellent. Ça peut être 3 heures du matin, ça me dérange pas. S'il y a besoin, je suis là. Pour moi, ça, c'est les amis puis la famille. C'est ça qui est important. De reste, OK, oui, on a besoin de l'argent pour vivre et tout, mais c'est facultatif. Tu peux être la personne la plus riche au monde, puis avoir pas d'amis. Puis si t'as pas d'amis, t'as rien. Pas d'amis, pas de famille. Qu'est-ce que t'as? T'as de l'argent. Tu peux acheter des amis, probablement, en les achetant des affaires, puis tout, mais ils sont pas des vrais amis. C'est, tu sais, moi, en tout cas, je viens d'une petite ville, on n'avait rien que nos amis. Mes parents n'étaient pas riches, mais ils nous donnaient tout ce qu'ils pouvaient. Mais tu sais, moi, câble TV, je l'ai eu, je pense, j'avais 11 ans. Internet, haute vitesse, ma mère l'a eu un an avant son décès. Oui, ça fait. Elle avait encore le téléphone, tu sais, c'est elle qui faisait bip, bip quand tu connectais, là. Puis si quelqu'un a laissé le téléphone, ça déconnectait, faut qu'ils ont mis une deuxième ligne. Mais, c'est ça. Oups. Joseph, j'ai mis trop de foncé. C'est pas grave. Fait que c'est ça. Internet était tard. Je me souviens, quand j'ai connu mon conjoint, mon mari, là, conjoint, mari, peu importe. J'avais encore l'Internet par téléphone. Puis il m'avait envoyé un email avec un MP3, une chanson attachée après, pour que je le fasse jouer quand je lisais l'email. Fait que
C'est cute, tu sais. Une heure et demie downloader l'MP3. Que ça aura de vitesse, ça aurait pris comme une minute. Fait que là, je l'écoute, je le trouve beau. J'ai dit. Elle dit, oh non, c'est pas le bon, je vais t'en renvoyer un autre. Mais c'est parce que moi, ça m'a pris une heure et demie downloader ça là. C'est comme, non, non, c'est bien correct. C'était bien beau demain. Mais ça. C'est ça, hein? Quand tu vis en campagne, t'es plus loin de tout, fait que tout arrive plus lent. Moi, j'ai parlé à ma tante hier. Elle reste à Terrebonne, proche de Sainte-Sophie, fait que on va aller la voir à un moment donné. On a perdu mon oncle cette année, mais en novembre de 2021. J'ai pas eu de chance avec le COVID, puis tout, d'y aller la voir, puis... Elle aime mieux qu'on attend un petit peu encore avant qu'on se voie, mais on jase souvent. Fait que c'est ça. J'attends de voir s'il va y avoir d'autres souplesses de mesures sanitaires. Mon médecin m'a dit de garder le masque avec mes problèmes de santé. Fait que la madame va l'écouter. Pas de choix. Même si c'est moins pire, ça m'agane en pas à peu près. C'était méchant maladie là, fait que. On va faire qu'est-ce qu'on peut. Je pense que ça va être beau, mes licornes. Je vais mettre du peinture, mon métallique blanc là-dessus, celui-là. Lui, je suis en train de demander si je vais mettre un métallique bleuté. Je suis pas sûr. Ça va être peut-être les deux blancs. Je vais avoir rendu à cette étape-là. Je me pose pour les champignons aussi. Je sais que je vais checker le tutoriel de Ribière, de Zazu, pour checker pour le comment faire mon nom. Parce que je vais être franc avec toi, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire pour ça. Mais je vais voir ça. J'ai assez de maîtriser toujours mes intents, mais à date, c'est pas des très grands succès. Mais Colorel, je pense que je vous ai dit. Je suis pas sûr. En tout cas, elle a une méchante belle vidéo là-dessus. Elle parle de ses quoi, de ses trucs. J'ai trouvé vraiment informative cette vidéo-là pour apprendre à servir un petit peu plus tes think tanks. Ça, travailler mes fonds. J'ai beaucoup à faire, mais ça. J'aime ça. J'aime vraiment ça. J'ai parlé à mon mari d'un nouveau caméra. Mais moi, c'est des webcams, fait que là, je sais pas. J'aimerais ça avoir des belles caméras comme tout le monde d'autre, là, qui filme pis tout, mais... Moi, si jamais je décide de plus faire une chaîne ou quelque chose, ben au moins la webcam va me servir, parce que moi, je suis pas téléphone intelligent. On n'a pas de cellulaire, nous autres. Pas qu'on pourra pas l'avoir, mais... Je suis toujours à la maison, puis quand je sors avec mon mari. Fait que c'est comme vraiment pas quelque chose de nécessaire pour nous autres. Ouais, j'ai vraiment de misère. D'habitude, je tourne mon livre. je te dis. Je vais m'habituer, mais au début, ça fait bizarre. Hein? On est habitué de tourner tout le temps nos livres, puis là, on veut pas parce qu'on veut. On veut que ça se voie bien quand on fait nos coloring chat. J'ai pas fait beaucoup de mandalas encore, c'est au moins ça, juste un en date. Fait que, faudrait bien que je check ça. J'ai beaucoup, je veux colorier en très peu de temps, tu sais. Mais ça, je pense qu'on est tous comme ça, on veut tellement colorier tout que des fois on peut pas. Je check les nouveaux sorties des livres Disney, ils rendent ça pas facile de pas vouloir commander, je peux te dire. Il y en a qui s'en vient, là. La porte à vivre peut s'ouvrir, mais tu sais, j'ai beaucoup de livres qui s'en viennent. Anna Carlson demain. À date, il n'est pas sur Book Depository. J'ai hâte qu'il apparaisse. Je vais le précommander si possible. Ah oui, t'as-tu vu? Le preview, il y a des images sur Amazon Canada. Je sais pas si c'est assez ailleurs. Mais on peut voir quelques images dans le nouveau livre de Kirby Rosanas qui sort à fin du mois. Puis ils sont belles. J'ai hâte. Moi, il n'est pas précommandé, mais c'est sûr la journée qui sort, je vais le commander. J'ai tellement hâte.
Il y a tellement de belles fleurs qu'on aimerait avoir. C'est comme là, je suis en train de me demander quel pastel à l'huile que je devrais me prendre parce que, à force de checker des spéciales fonds, ça me donne envie d'essayer, mais je veux pas acheter 3-4 sets différents. Fait que, tu sais, je suis en train de checker les Paul Rubin puis les Mungio. Puis je me demande laquelle que je devrais ramasser, mais ça. Je vais brancher à un moment donné. Tes conseils, c'est apprécié. Si t'as les deux, ou un ou l'autre, tu me donneras tes avis. Là. Dans le commentaire, j'apprécierais ça, ou en message privé. Aujourd'hui, j'ai assez de finir ça. Je sais pas si je vais réussir, mais on va essayer. Mon extension, pour revenir là-dessus, vu que on est le 9, est sorti. Puis j'ai 6 colos de fait, fait que pour moi, c'est pas un grand succès, cette extension-là, de Guild Wars 2, là, End of Dragons, ça s'appelle. Je sais pas, il y a de quoi qui fait que j'aime moins ça, mais ça autre pas que le jeu, c'est un jeu que j'aime jouer un fois en temps. C'est juste que, en temps normal, quand il sort une extension, moi, je le mange tout cru, expression. J'aurais tout révélé l'histoire en dedans d'une semaine. Puis là, je serais en train juste de farmer des points d'achievement. C'est comme c'est des points bonus qui donnent des coffres, des affaires. Pour le monde qui joue pas aux jeux vidéo. Mais ça là, c'est pas le cas, ce stuff-là ici. Je sais pas. Y a de quoi qui me cloche avec cette extension-là qui me va pas. Oh my god. C'est pas grave, ça me donne juste plus de temps à colorier que j'aurais pensé pour ce mois-ci. Puis plus de temps à colorier, c'est toujours bienvenu. hier soir, j'ai cuit 2 grosses lasagnes, des pannes de lasagne. J'en ai cuit une pour notre souper hier, puis j'en ai mis une dans le congélateur. Mon gars veut inviter ses amis souper lundi, fait qu'on va faire de lasagne avec salade César. Pour notre repas. Il est tout content pour ça. Ben, c'est la moindre chose que je peux faire. Ils ont été me chercher mon claret qui a été à bureau de poste l'autre semaine. Fait que, sinon, j'aurais été obligé d'attendre en fin de semaine. Ou en fin de semaine passée. Là, je me souviens plus. Là, c'est quelle date qui est arrivé. Mais on s'entend-tu, il m'a sauvé de l'attente. Fait que moi, ça me va beaucoup. D'ailleurs, savoir, je suis en train de checker si je veux acheter les 2 autres qui manquent. Parce qu'on peut pas acheter toutes les livres. Il y en a 2. Il y en a pas où est-ce que je l'ajoute. Est-ce que c'est hors print, hors impression ou quoi? Je sais pas. Mais là, il reste Fairy Touch of Magic puis Fairy Miracle, je pense. Que j'ai pas. Puis mon deuxième préféré, c'est Fairy Touch of Magic. Fait que j'aimerais l'avoir. Il me semble que j'ai entendu parler qu'elle va sortir un autre livre à l'automne. Je sais pas là, si c'est vrai. Je sais pas si c'est moi qui ai rêvé ça ou je l'ai vraiment entendu parler de ça. Ou... Je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais ça, on va voir avec le temps. Pour le moment, j'ai beaucoup de livres. Mais beaucoup. Il y a le Anna Carlson, le Kirby Razanes. Il y a Kenoko Yuzi qui sort le Minuet de Bonheur. The Rhapsody in the Forest en anglais. Ça sort en certaines de ses livres sortent en avril. Puis le reste, je pense, c'est en juin ou juillet. Puis après ça, je vais être un certain temps sans acheter de livres. Parce que j'en vois pas qui va sortir, qui m'intéresse bien bien. J'ai ma liste de souhaite que quand je vais avoir un petit peu d'argent ici par là, je vais peut-être en rajouter, mais. Rajouter à ma collection, je veux dire. Mais je sais pas, j'en veux d'autres livres, mais en même temps, j'en veux pas d'autres. Parce que j'ai pas de temps à les colorier tout ce que j'ai déjà. Mais des fois, j'aime ça juste les regarder aussi. C'était vraiment fun quand j'avais fait ma vidéo collection au début de ma chaîne. J'avais trouvé ça fun de regarder
des colos que j'avais faites, les livres que j'avais. Ça donne goût de colorier dans certains livres que t'as comme oublié. Mais ça, je suis pas dû pour faire une autre vidéo collection. Je vais faire ça l'année prochaine. Ben cette année, mais comme en octobre, novembre. Ou peut-être je vais attendre janvier 2023, on verra. Je ne dis pas de plus français. Ah. Mais ça, on verrait bien. Je vais faire une collection avec toutes mes images coloriées dedans. Peut-être que je vais avoir eu une nouvelle caméra rendue là, on verra. Là, je cherche un programme pour montage vidéo qui est mieux que celle que j'ai. Je sais pas, je trouve qu'il y a des choses que je peux pas faire avec lui. Puis, si je vais en acheter une, je veux avoir des options de laquelle que je vais acheter, tu sais. C'est comme mon mari a dit, il dit, si t'en achètes une, achète-en une, que je peux m'en servir moi aussi. Comme ça, mais ça servira pas juste pour une affaire. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'affaires à apprendre quand on fait ça. Moi, je pensais, on filmait des vidéos, puis... Je sais, j'édite pas mes vidéos, mais tiens, pareil, que je rajoute le chose, c'est pour 18 ans, blablabla, puis mon titre de chaîne au début. Change de format pour que ce soit plus facile à télécharger aussi sur YouTube. Ce compris, ça le rend plus petit. Mais tu sais, il tient pareil que... Que si t'as pas les bons programmes, ça va pas quand même bien, là. Ah, ça me fatigue, cette ligne-là. Pourquoi t'as fait ça? Il me répondra pas, hein. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Qu'elle me fatigue ou non, elle est là. OK, on peut rien faire. Je pense que c'était supposé être mauve, mais pas grave. Quand on jase, on regarde pas toujours qu'est-ce qu'on colore. Donc, elle va avoir un petit bout de rose sur son chose de mauve. Et cette fois, c'était supposé de continuer de même. Je vais faire du mauve. On va essayer d'effacer un petit peu, puis la faire comme ça. Ça devrait faire la job. C'est pas parfait, mais le monde est foncé. Ouais, mais ça venait. À part le rendez-vous chez le médecin, c'était pas mal tranquille cette semaine à date. Là, on est mercredi. J'attends avec impatience. Sana Carlson a dit le 2 jours qu'elle monterait une flip, une présentation de son nouveau livre. Cities in the Stars, je pense, ou City in the Sky, ça s'appelle. Fait que là, j'attends avec impatience celle-là un petit peu. Mais à date, c'est pas là. Tout ce qu'il y a, c'est des micro-flips là, qui amont comme les coins des pages. Là. Juste assez pour donner goût de le voir, tu sais. Ok. Ben, bientôt, on va le voir pour vrai parce qu'il va en avoir des présentations sur YouTube. Puis on va avoir commandé nos livres. Fait que. Ils vont arriver. C'est juste valeur que ça prenne du temps avant que ça arrive ici. Au Canada, je pense, des fois, c'est 10 à 15 jours. Là. J'ai déjà vu un mois avant d'avoir mes livres de Book Depository. Mais, qu'est-ce qui est fun, ça nous donne Il nous donne accès à des livres qu'on n'aurait pas eu accès en temps normal. Fait que, on peut pas lamenter là-dessus. Mais, tu sais, même si on aime ça, on est impatient puis on veut que ça arrive tout de suite. Garde le Tales from the Witch's Cottage. Il est même pas sorti au Canada encore. Fait que, à part de Book Depository, on n'aurait même pas eu accès à ça. Fait que, tu sais, oui, c'est long. On est obligé d'attendre. Mais, tu sais, en même temps, ça nous permet d'avoir accès à ça, nos livres, des fois, tu sais. Puis les prix de gaz sont-ils élevés chez vous ici? Je pense que mon mari a dit que c'était 1,87 hier soir. Pas donné. Pas en tout.
Pour The Void, d'habitude, ils me prennent deux tanks de gaz d'aller à Gaspé. Fait que. Romarie et Dette, ils pensent avoir écouté par des 400$ en gaz. Peut-être exagéré. Je sais pas. Mais. Ça va être pas donné. Une chose est sûre, on prendra pas le raccourci au travers d'une montagne. Il y a une place dans ce chemin-là que tu brûles un quart de tank juste monter. Tu le voyais en distance, ça fait une bosse suivie d'un autre bosse, en montant plus en plus haut. Est-ce que tu montes un montagne puis tu redescends dans la ville de Gaspé après? Je sais pas si vous avez déjà été là, mais. Moi, la première fois, mon mari est venu en Gaspésie m'avoir. On a rencontré en ligne, tu sais, je suis sûr que je t'ai déjà dit ça. Mais on avait décidé de rencontrer comme ami avant, tu sais. Pas être un couple de suite, tu sais. Fait que moi. C'est normal, pour moi, tout le monde qui vit à Gaspé, ils prennent un raccourci. Donc là, j'ai dit, quand t'arrives, tu vas voir le monteur, blablabla. Donc là, le raccourci, il sauve 1h30 de ton chemin, 2h. Facile. Mais tu montes une montagne. Fait que là, lui, il connaissait pas ça. Moi, c'était acquis que c'est comme ça que tu le prennes. On a toujours fait ça. Lui, quand il est arrivé, il était en tard. Moi, j'ai été tanné de m'attendre. J'étais retourné chez nous, de l'attendre chez nous. Puis je me suis dit, je vais aller le voir le lendemain. Fait que lui, quand il est arrivé, c'était vraiment tard. Fait que moi, je l'attendais pour lui. Il se demandait s'il avait descendu là pour rien. Mais tu sais, il a pris 2 heures de plus dans le plus battant. Il a traversé le long de la côte, dans le fond, le fleuve Saint-Laurent. Parce que quand tu arrives à la raccourci, il rejette 255 km sur ton chemin pour faire le long de la côte. Mais lui, en sachant pas que si tu montes la montagne, tu pourrais sauver, mais il a fait tout le long de la côte. Tu sais, j'en viens pas qu'il faisait ça à toutes les fins de semaine, c'est 897 km de long de chez nous à Gaspé. Puis il partait après la job le vendredi soir. Il venait me voir. Il repartait le dimanche soir pour monter chez eux pour travailler. Tu te rends compte? Tu sais, je peux jamais dire qu'il m'aime pas parce que s'il m'aurait pas vraiment aimé, il aurait pas fait tout ce chemin-là. C'est fou quand tu penses à ça. Ah, mais ça. Après, j'ai eu notre fils, j'ai déménagé ici. Puis, on est ensemble depuis. Puis, il me garde pas mal. Il garde tout mon stock de coloriage, c'est lui qui me donne. Je travaille pas, j'ai pas de rente. Mais c'est pas grave, je m'amuse, puis. Si je peux pas acheter de quoi que j'aimerais, mais c'est pas fin du monde. Quand j'ai eu des verges d'erreur, je m'avais dit que j'y aurais jamais, tu sais. Puis regarde, j'ai eu une chance grâce à un échange avec un bon ami. Merci encore pour cet échange-là. Que j'ai réussi à les avoir. Fait que là, je suis super content. Je sais, j'ai pas colorié beaucoup avec encore, mais ça s'en vient. J'ai des idées dans la tête pour des images. Avec ça. Je suis en train de penser à peut-être peigner les vitraux 2. Même si j'ai pas colorié gros dans le vitraux 1, il va devenir, à un moment donné, il va être plus dur à trouver. Puis je vais regretter de ne pas l'avoir acheté si je ne l'ajoute pas d'avance. Je sais pas. Je sais même pas si le papier est aussi bon que le premier. J'imagine que oui, là. Achète, généralement, c'est ça. As-tu vu le nouveau bloc portrait qui va sortir? Ça va être A3, ça va être aussi gros que des vitraux, je crois, puis les châteaux. J'ai vu ça sur Bruno Art Gallery, je pense que ça s'appelle. Il montre tout le temps des livres achète, puis il a montré ça. Ça a l'air beau, mais je sais pas. Moi, c'est pas pour moi, ce livre-là.
Mais il est beau. Il est beau. C'est comme il est sorti des nouveaux marque-pages. J'en colore pas beaucoup, mais Colin sont belles. J'aimerais ça, moi, y en avoir de ça, mais tu sais, il faut que je colore les miennes. Je suis en train de penser à pogner une machine pour les laminer. Là, je l'ai fait, ma façon, ça va bien, là, avec le stock pour couvrir les livres. Ça me prend mes retails, faut qu'il n'y ait pas de gaspillage, mais tu sais, ça coule pas bien ici. J'en ai-tu? J'en ai ça. On va aller voir ça. Non, j'en ai plus, ils sont tous dans mes livres. Mais c'est tout un. Ça décolle. J'en ai tué ça. J'en ai un dans lui. Ça décolle. Comment oui, ça? Je sais pas si tu peux le voir. Ah ouais. C'est en train de décoller. Il sert, ça reste pas collé, il tâche. Fait qu'à longue, ça va lâcher, mais ça. Je fais avec qu'est-ce que j'ai. Fait que je sais pas. Peut-être un jour, je me pognerai ça. Pogner le papier de scrapbooking que j'ai vu sur d'autres chaînes. Quand on achète ça au Dollarama, j'en ai vu l'autre fois quand j'avais été. Mais moi, c'est parce que j'ai besoin des petites étiquettes. Il m'en manque. Quand mes crayons viennent courts. Le défaut des Black Widows, c'est comme ça, tu vois. Quand lui, il va être fini, son nom va être effacé, puis il va rester tout ça pour ce numéro. Fait que, qu'est-ce que je sais, c'est comme lui, tu vois. Moi, je sais, c'est BW08, parce que je l'ai écrit, ça. Parce que, tu vois, il est en train de s'effacer. Fait que, il va manquer des petits collants pour faire ça. Fait que, je vais aller en chercher un coup en fin de semaine. Alors, finalement, je me demandais si j'aurais eu de quoi vous parler, mais c'est tellement pa facile à vous parler. J'adore notre petite parle jaugeuse. J'espère que vous autres aussi, tu t'amuses en colorant, prenant un café, puis qu'on jase de même. J'adore ça. J'aime aussi écouter ça quand les autres le font aussi. Je trouve ça comme si on se faisait une visite avec nos amis, hein? Comme j'ai déjà dit. Et comme toute bonne visite, il faut que ça tombe à une fin à un moment donné. Puis je pense que je vais finir ça là. Je vais finir mes cheveux. Puis continuer mon colo. Fait que tu le verrais dans le colo terminé à la fin du mois ou sur Instagram si tu y vas. Parce que je vais l'afficher sur mon hashtag ICForestV22. Puis on va se dire bye à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous autres. Puis merci d'avoir passé ce petit moment-là avec moi. À la prochaine. Bye.